Les ministres européens des Finances réaffirment leur attachement à la stabilité de la zone euro. Interrogés par Euronews après le conseil Ecofin et une nouvelle journée éprouvante sur le plan économique et monétaire, deux ministres tentent de rassurer sur l'issue de la crise liée à la dette dans plusieurs États, à commencer par le nouveau ministre portugais des Finances. Pour le Portugal, la stabilisation financière de la zone euro dans son ensemble est une nécessité vitale. De ce point de vue, la possibilité d'utiliser des règles plus flexibles dans la gestion du Fonds européen de stabilisation financière serait la bienvenue. Selon moi, c'est une approche qui sert la stabilité financière de la zone euro dans son ensemble et cela pourrait faciliter la situation portugaise. Une approche qui sert la stabilité financière dans l'area de l'euro comme un tout et, portanto, também por essa via, facilita o ajustamento português. Pour le ministre français François Baroin, il faut plus de poids politique pour peser face au marché. Bonjour, monsieur le ministre. Le renforcement de la gouvernance économique, l'évolution vers des convergences plus intégrées, que ce soit en matière fiscale, budgétaire ou autre, les politiques de réduction de déficit qui sont des objectifs intangibles pour la Grèce, pour l'Italie, pour le Portugal, pour l'Irlande, mais pour tous les pays de la zone euro, doivent nous éloigner de cette tension budgétaire et doivent nous mettre en situation d'avoir aussi une organisation politique décisionnaire qui sera un élément de restauration à terme de la confiance des marchés. Merci. Si les marchés ont marqué un relatif répit mardi, les risques de contagion de la crise grecque à l'Italie et à l'Espagne demeurent.